Yo tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Bah écoutez, moi je l'ai plutôt bien. Car aujourd'hui on se retrouve pour environ 5 minutes de gameplay, mais de pure folie. Donc il faut savoir que ce gameplay à la base était initié pour un challenge. Ça faisait longtemps qu'il était en train de périmer dans mon PC. Et je me suis dit, bon allez, pourquoi pas vous le présenter. Parce que bah, ça me fait plaisir d'une part, et puis de l'autre, parce que je réalise quand même une belle game, enfin bien 5 minutes de pure folie comme j'ai dit dans le titre, hein, et comme je vous l'ai évoqué en début de gameplay. Alors dans ces 5 minutes, on va bien pouvoir voir le fait que j'envoie un fantôme et puis mes raps en laps de temps assez court quoi. Et puis comme d'habitude, on va vous dire que c'est pas une nouveauté sur Call of Duty Black Ops 3, mais sur PS3, parce que sur PS4, ce serait bien une nouveauté, enfin j'espère pour le prix de la PlayStation 4 que ce serait une nouveauté, des bugs des connexions, car bien évidemment la fin de ce gameplay sera entre guillemets déçue à cause d'une migration d'autres. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai marqué seulement 5 minutes et pour mon challenge, je me suis pas permis de vous présenter une vidéo de ce genre. Simplement parce que je me sentais pas capable, il y avait rien de concret, je sentais que je pouvais encore mieux faire juste à la partie d'après. D'ailleurs, je crois que c'était la 28e, non, la 24, 26 ou 28e le challenge, et j'ai dû envoyer une fois de plus. Comment vous dire, j'ai dû envoyer en gros tous mes SS également, parce que c'était juste la partie d'après, pour vous situer un petit peu dans le contexte chronologique. Donc là, hop, je me mets en drop shot, donc je m'allonge, et là je fais la petite double. Là, je vais donc débloquer mon fantôme. Comme d'habitude, j'envoie mon fantôme ici. Et là, voilà, c'est tout le temps ici, il y a beaucoup de monde qui arrive sur combine. Et là, donc du coup, j'ai mes raps. Mais ce qui est intéressant dans ce gameplay, c'est que je vais continuer ma série. Je vous ai dit que c'était de la pure folie. Regardez bien ce que je vais faire. La petite double médaille également. Et franchement, c'est plutôt pas trop mal. En plus de ma série, et là, mon fantôme frag un petit peu et mes raps vont s'y mettre. Je refais encore un petit frag là. Et malheureusement, le petit campeur tout au fond à gauche, je ne l'avais pas vu qui s'était mis un petit peu en mode campouse, accroupi dans son petit corner. Donc je fais du 20-3. Malheureusement, vous n'auriez pas vu également le début du gameplay. Je faisais du 4-0 en début de gameplay. Donc j'ai fait en l'espace de 2 minutes, parce que ça fait 20 minutes que l'action est arrêtée, en l'espace de 2 minutes, un total de 14 victimes d'affilée grâce à mon arme, tout simplement. Il faut faire gaffe également aux grenades thermiques, le petit truc rouge que vous avez vu juste à mes pieds, ben ça c'est chaud. Donc là je sais pas pourquoi j'ai pas utilisé mes points de choc, parce que honnêtement je suis tombé réellement en kiff sur les points de choc. Donc du coup j'entends par là que j'adore les points de choc, parce que souvent j'arrive à faire des quadruples, même des quintes feed grâce à ce truc de fou. Mais le petit souci que j'aurais à reprocher à cette spécialité, c'est que, ou spécialiste, ou je me souviens plus, Skygamer me le dira en commentaire, tiens, Skygamer, si tu écoutes le gameplay, je t'invite à me dire c'est quoi ses spécialités ou spécialistes, parce que le dernier coup il m'avait repris, et non, je crois que c'est spécialiste, hein. Ouais, c'est bien spécialiste. Donc du coup, le seul bémol que j'ai à dire sur ce petit spécialiste de point de choc, c'est le fait que il y a des moments, on l'active, mais il explose pas, parce que c'est le temps que le personnage se projette en l'air et frappe ses deux points de choc au sol, pour établir une vague de 5 à 10 mètres selon l'endroit, je crois. Et donc du coup, ce temps-là, c'est l'espace d'un tiers de seconde. Mais en tiers de seconde, et bah souvent je me fais tuer. Et donc du coup, c'est souvent, encore en plus, quand je suis allé à 150, 20, voire 10 points de mon SS Phantom ou Raps, et ben c'est souvent là que j'utilise mes points de choc, parce que je me dis que c'est un kill assuré. Et quand je me fais tuer, malheureusement, parce qu'il y a des moments en un tiers de seconde, je me fais buter à cause de ça, et ben donc du coup j'ai tendance à m'énerver. Mais vous allez me dire, qui s'est jamais énervé sur ce jeu, surtout sur PS3. Donc également, si j'ai un peu plus encore, pour parler vite fait de la spécialité point de choc, de spécialiste, excusez-moi, donc c'est également le fait que lorsque un joueur est à côté de vous, s'il a le malheur d'appuyer sur X et que vous le faites au même moment, et bah il est pas mort. Et ça m'est arrivé beaucoup de fois, notamment quand j'avais la boule en liaison. Vous imaginez pas, quand je fais 2 ou 3 frags avec mon point de choc, ça fait plus 600. 3 frags plus 600, 2 frags plus 400, 1 frag plus 200. Et là je me dis, allez, là je suis à quelques points même de base. Tu peux commencer une grosse série à la boule comme Skygamer le fait tout le temps en liaison. Donc du coup, quand je m'arrange tout le temps pour voir mes points de choc, déjà après je récupère la boule. Et quand je vous l'ai dit, j'ai déjà fait une quinte feed, c'était en liaison. Donc du coup, ça fait 1000 points en plus, j'ai déjà eu totalement tout directement
toutes mes séries, enfin presque à quelques points du rap. C'est donc du coup au final je m'étais fait tuer parce que quelqu'un, le sixième joueur, le seul sixième joueur, bah, en fait c'était dans combine hein, c'était bah, là regardez à gauche, vous vous souvenez la petite entrée là, l'entrée principale du spawn, bah, c'était ici que j'avais utilisé, c'était en liaison. Et alors il y avait un type qui avait sauté au même moment, puis il a pu me killer et là j'avais grave le seum. Donc ouais, donc ça c'est vraiment gavant, la migration des autres. C'est, je me souviens avoir ragé à ce moment-là, toute la team disait oh non, j'avais mes raps. Et donc du coup bah, on va se laisser sur ce. Donc si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un big j'aime, un commentaire, et aussi abonne-toi à ma vidéo si c'est abonne-toi à ma chaîne YouTube. Bah dis donc, j'en perds mes mots à la force de commenter des vidéos. Bon allez, ciao ciao les gars, et bye bye à tous, c'était Authentic Gamer, peace.